ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un big haul course alors de chez Leclerc et Grand Frais. Donc tout d'abord je vais vous montrer le congelé que je vais pouvoir mettre tout de suite au congélateur et ensuite je vous montrerai ce que j'ai pris chez Grand Frais et après on fera Leclerc. Alors tout d'abord chez Leclerc, comme je vous dis je fais le surgelé en premier. Des carottes en rondelles surgelées, nous on les prend comme ça, je trouve que c'est plus pratique. Ensuite j'ai pris un paquet de frites. Alors ceci c'est en promo, c'est pour ça que je l'ai pris. Des pommes de terre, graisse de canard, persil, ail et origine France. Pommes de terre à la salardaise. Voilà, je pense que je vais faire ça à midi d'ailleurs, je vais le laisser là. J'ai pris des steaks hachés Bigard. Maintenant ils sont même plus que Leclerc, donc je prends Bigard. Pourquoi j'ai toujours pris Bigard? Et ensuite j'ai pris ça, vous les connaissez, je vous les ai montré plusieurs fois de chez Inter. Alors ce sont de l'atelier poisson, ce sont des colins d'Alaska qualité 100% filet, herbe et pointe d'ail. Et j'en ai pris trois parce que c'était de acheter un gratuit. Voilà, pour... ah non, il y en a encore là du coup. J'ai pris des lasagnes chèvre épinard, deux paquets parce que ce sont des petits. Voilà, et niveau surgelé, c'est tout. Allez, c'est parti pour Grand Frais. Alors, je suis désolée si vous avez des variations de lumière. Un coup il fait beau, un coup il y a des nuages, un coup il fait beau, un coup il y a des nuages. Le temps est bizarre. Donc, j'ai le ticket pour Grand Frais, je vais pouvoir vous dire les prix. Alors, j'ai pris ce fromage que je ne connaissais pas, qui s'appelle dame de lait. Ouais, non, dame de chat. La dame du chat, voilà. Donc, j'ai pris ce fromage-là. On dirait que ça ressemble un peu à du Cantal ou du Comté, peut-être. Il est à 14,99€ le kilo. Et j'ai payé le morceau 4,11€. Donc on verra ce que ça vaut. Ensuite, j'ai pris des chipolatas saveur roquefort à griller. Alors ça fait super longtemps qu'on n'en a pas mangé. Donc j'en ai pris 4,48€. Et vous voyez, les saveurs comme ça, il y avait plein de saveurs différentes. Mais roquefort, ça faisait longtemps. Donc ça, j'aime bien le prendre à Grand Frais. Ensuite, ça, c'était en promo. Alors, à combien c'était Fromaggio Giugiaghito. Râpé. Donc je suppose que c'est une sorte de parmesan. 1,59€. Ça valait le coup. Ensuite, j'ai pris de la sucrine. 1,50€. Ensuite, ça. Alors, si vous en preniez deux, c'était 2,50€. Sinon, je crois que la botte, elle était à 1,65€. Ouais, c'est ça. La botte 1,65€. Si vous en preniez deux, c'était 2,50€. J'avais pris une parce qu'il n'y a que moi qui mange les oignons frais comme ça. J'adore ça. Ensuite, il y avait une promo là-dessus, poêle et langorne géant et chorizo. Alors, mes enfants n'aiment pas, il n'y aura que moi et mon mari qui les mangeront. C'était à 12,45€ le kilo, soit 4€ la barquette. Ça, c'est très très bon. Et moi, je ne sais pas du tout préparer ça. Donc, voilà. Ça, j'aime bien le prendre là-bas quand il y a une promo. Ensuite, j'ai pris un poivron qui m'a coûté 90 centimes. Vous savez que les poivrons, ce n'est pas donné maintenant. Du coup, j'avais mis d'un orange. Ensuite, alors, il y avait des tomates comme ça, je vais vous les montrer. J'en ai acheté qu'une fois, des comme ça. Et vous voyez, elles ont une particularité pointue. D'habitude, j'en achète, mais elles sont toutes rondes. Et là, elles s'appellent tomates cœur de bœuf. Ouais, mais c'est des cœurs de bœuf, en fait, mais jaunes. À 3,99€ le kilo. Donc, j'en ai pris deux. J'ai payé ça 1€. Non, 2,90€. Franchement, les tomates, c'est pas donné. Mais c'est moins cher qu'à Leclerc. Parce que juste avant, j'ai été à Leclerc. Quand j'ai vu le prix des tomates, 5,99€. Oula, même celles qui sont toutes simples, vous voyez les rondes, elles étaient à 4€ le kilo. J'ai dit mais Leclerc, mais qu'est-ce que vous foutez Leclerc? Parce que moi j'achète moins cher à Inter, j'achète mes tomates en ce moment à Inter beaucoup moins cher, enfin les plus simples. Et je me souvenais pas que c'était à 6 balles quoi. Alors du coup, je me suis souvenue que hier j'ai regardé un retour de course de Bérénice. Qui est allé aussi à Leclerc et Grand Frais. Donc ça tombait bien, moi je devais y aller aujourd'hui. J'ai regardé ça hier, j'ai dit tiens ça tombe bien. Je me suis dit je vais voir si la promo est toujours en cours. Je ne savais pas quand est-ce qu'elle avait tourné la vidéo. Je me suis dit bon tu vas quand même, puisque Grand Frais chez moi c'est en face de Leclerc. Donc je suis tombée sur les tomates dont elle a parlé. Alors il me semble qu'elle a pris d'autres couleurs, mais moi elles n'étaient pas en promo les autres couleurs, mais celles-ci oui. Les noires de Crimée. Celles-là en plus elles sont très bonnes. C'est vraiment une de mes tomates préférées. Du coup, j'en ai pris pas mal. Elles sont bien grosses, bien avec beaucoup de chair. Elles sont très savoureuses, je trouve. Et moi, j'en fais des mélanges avec plusieurs tomates de couleur. Et là, elles étaient à 1,99€ le kilo. J'ai trouvé ça, ouais, 1,99€ le kilo tomates noires de Crimée. J'en ai pris 1,375€ et ça m'a fait 2,74€ de tout ça. Donc là, je trouve que c'est un méga bon plat. J'aurais peut-être dû en prendre un peu plus. Mais celle-là, ça abîme plus vite que les autres. Donc, il faut les manger assez vite. Donc, on mangera celle-ci en premier. Donc voilà, c'est tout pour Grand Frais. Et j'en ai eu pour 25€ à Grand Frais. Ah non, attendez, j'ai oublié ça. J'ai oublié
ouf, et ça c'est pareil. Maintenant le melon est devenu hors de prix, mais à grand frais, il était à 99 centimes le kilo, donc il m'a coûté 1,41€ ce gros melon charentais. Franchement, 1,41€. Alors il n'est pas mûr encore, et je vous le dis tout de suite, il n'est pas mûr. Mais je vais le laisser mûrir là, comme d'hab, et puis après, voilà quoi. Mais là, 1,41€, franchement, c'est énorme. Voilà, donc c'est tout pour grand frais. Comme je vous dis, j'en ai eu pour 25€. Donc vous voyez, bien souvent, d'aller à grand frais chez les primeurs, c'est pas plus cher qu'ailleurs. Après, c'est vrai que à certains moments, ils vendent plus cher que Leclerc, mais là, Leclerc, il se touche. Je sais pas ce que fout Leclerc. Ce que fout Leclerc, mais c'est hyper cher. Donc allez, on continue maintenant avec ce que j'ai avec mes courses Leclerc. Donc, des lardons travillèges, j'ai repris ailes fines herbes, cœur frais. Voilà, des surimi. J'ai repris du jambon de Paris par 10. Oh, c'était moins cher que même les jambons qui étaient en promo à ce moment. Donc j'ai repris celui-là. Alors là, j'ai voulu changer un petit peu au niveau des cordons bleus. J'ai pris des cordons bleus escalope de poulet à la normande. J'aime bien celui-là. Pour les enfants, j'ai pris escalope de poulet à la bolo. Voilà. Je vais faire des lasagnes. Donc j'ai pris de la viande hachée 100% pur bœuf. Elle était en promo. C'était à 6€, ça je me souviens. Voilà. Et il y en a 800 grammes. Donc ça valait quand même beaucoup. Ensuite, le poulet qui est en promo, je ne l'ai pas trouvé. Donc j'ai pris celui-là, filet de poulet. 8,90€, il me semble, le kilo. Ça aussi, ça a pris une claque. Bon, encore, ça reste un peu raisonnable, mais ça a pris une claque. Du PQ, tout simple. Hein. Je vous avais dit que le Action m'avait bouché les chiottes plusieurs fois et qu'on avait vu que ça venait de là. Donc maintenant, on va tester celui-là. J'avais déjà testé du Lotus. Le Lotus va très bien. Donc je me suis dit, on va essayer l'Eco Plus. Si ça passe, on achètera celui-là. Alors ça, coup de cœur, je vous en avais parlé. Donc ça y est, je l'ai enfin testé. Vous voyez, c'est la recharge du diffuseur automatique. Vous voyez, j'ai un Airwick. Et ça passe dedans. Vous voyez, c'est exactement pareil. C'est exactement la même chose. Je vous ai dit la dernière fois que j'ai fait un Leclerc, que j'allais vous dire si ça sentait bon, si ça tenait, si ça passait bien. Eh bien, franchement, comptez sur moi. Si vous aimez la vanille un petit peu ambrée, celui-là, une véritable pépite. Là il est en route là. Je me suis dit avant de tomber en panne, tu en reprends. On l'adore. Ma soeur est venue dans la semaine. Elle m'a dit mais qu'est-ce que c'est qui sent si bon? C'est ça. Donc c'est de la marque Bien-Air, vanille et ambre, 60 jours. Voilà. Il est super, il sent trop trop bon la vanille. Il tient longtemps. Ça sent assez fort. Mais assez fort, pas vous étouffer, mais ça sent, ça tient dans la pièce et tout. C'est super. Celui-là, je vous le conseille. 1,99€. Moins cher qu'à Action. Voilà. Et celui-là, il est super. Je trouve bien. Ensuite, j'ai pris des tornades au fromage. Voilà. Pour les week-ends. Et puis aussi parce que ma fille va partir en randonnée avec l'école. Donc, du coup, je lui ai pris ça pour son pique-nique. Alors, ça, enfin, je suis retombée dessus. Les muffins. Ça faisait un moment que je n'arrivais pas à en trouver. J'ai goûté ceux d'Intermarché. Franchement, ils sont dégueulasses. Les muffins nature d'Inter, ils sont imbouffables. Ils sont dégueux. Ils sont durs comme de la pierre. Là j'ai repris les muffins blancs, il n'y avait pas les complets, donc j'ai pris les blancs, j'avais pris 3 paquets. Ça c'est pour mes petits déjeuners. Alors j'ai pris de l'huile de noisette, ça c'est super bien aussi, c'est très très bon. C'était en promo, là ça valait le coup, il y avait 34%, donc j'ai pris celle-ci, l'huile de noisette. Moi je vous la conseille, je la connais celle-là, elle est hyper bonne. J'ai pris également de l'huile de sésame grillé, ça c'est une tuerie, j'adore ça. 34% aussi, elle était à 1€ et quelques, donc vous voyez ça vaut le coup. C'est tout petit, c'est vrai, mais on en met un peu moins parce qu'en goût je trouve que c'est plus concentré. Donc pour faire des vinaigrettes, vous voyez, et ça en plus il n'y a pratiquement que moi qui en mange parce que mes enfants n'aiment pas trop, c'est un peu fort, vous voyez, comme au goût. Mais moi j'adore, mon mari aime aussi, donc il y avait aussi l'huile de noix, l'huile de lait. Il y avait plein, mais j'ai pris ces deux. Ensuite, pour faire de la lasagne, comme je vous l'ai dit, je ne savais pas s'il me restait des plaques ou pas, donc j'en ai pris. Cette fois-ci, en plus, je suis partie avec une liste, donc déjà, ça va beaucoup mieux quand on part avec sa liste. Moi, je vous le conseille. Ensuite, j'ai pris du lait de coco pour faire avec le poulet, donc j'ai pris celui-là. Je ne sais pas ce qu'il vaut, je ne le connais pas, celui-là. C'est 500 ml, voilà. Apparemment, il est marqué que c'est un peu plus épais, celui-là, je crois. Non, il a écrit premium savoir, 95% de coco. Voilà, on verra. Pour mes enfants, alors ça c'était un promo. Attendez, je vais tout vider parce que là ça fait du bruit. J'ai pris des madeleines, cœur, chocolat, goût noisette. Alors ça c'est trop bon, trop bon, trop bon. Les enfants adorent ça. Ce sont des madeleines avec un cœur de chocolat à la noisette. Je vous l'ai dit, je crois, c'est ce qui est écrit dessus. Avec un cœur de chocolat à la noisette dedans. Il y avait un acheté, le deuxième à 60%.
comment vous dire que cette marque-là, elle est chère d'habitude, car quelqu'un des lacs, mais qu'est-ce qu'elle est bonne. Donc j'en ai pris 4 comme ça, voilà. Je me suis dit comme ça, ma fille, elle en prendra pour le goûter de l'école, elle en prendra ici à la maison, enfin voilà, mon fils aussi, il adore ça. Une brioche pressée perlée, ça pareil, c'était à 34%, ça valait grave le coup, parce que je trouve que c'est la meilleure, celle avec le sucre perlé. Du thon entier, j'ai pris 2 boîtes, ça aussi, ça a pris une plaque. Ensuite, j'ai pris des guapes. Alors, vous savez que d'habitude, j'ai pris en action, mais je ne suis pas allée, j'avais la flemme d'y aller que pour ça. Donc, je les ai pris là, 8 tortillas de blé, Tarte du Monde. Il n'y a plus la sous-marque que vendait Leclerc avant. Je ne sais pas, ils ne la vendent plus, elle n'était plus du tout dans le rayon, donc j'ai pris ça. 1,65, je crois. C'est beaucoup plus cher quand même qu'Action, puisque moi j'ai payé 99 centimes Action. Mais bon, j'allais pas m'amuser à les faire en tour Action pour quelques centimes. Allez, on continue avec la suite. Alors là, il y avait un acheté, le deuxième à 60%. Brioche tranchée, pépites de chocolat, mes enfants adorent. Moi, c'est des choses pour ça que je ne mange pas. Venez pas me dire, c'est pas bon pour le régime. Moi, j'en mange pas de ça. Mes enfants, ils aiment bien quand ils n'ont pas le temps, ils prennent une tranche, et puis voilà, avec une banane, et puis terminé. Ensuite, pain de mie, grande tranche pour faire des croque-monsieur, voilà. Ça, c'est des petits chips pour ma fille, pareil, pour prendre à sa petite sortie le midi. Voilà, après, il en restera pour la maison. Ensuite, alors, j'ai pris une grosse promo. Donc, ensuite, j'ai pris du sucre en quantité parce qu'il y avait une promo, donc j'ai pris 3, enfin, en quantité 3, c'est pas non plus énorme. Demi-morceau de sucre 100% français, voilà, de la marque Dadi. Alors moi, ça me va bien parce que je prends que des moitiés de sucre dans mes cafés. En principe, je coupe les carrés et voilà, ça me fait une moitié. Mais des fois, j'arrive pas à les couper. Des fois, ils sont tellement durs que j'arrive pas à les couper. Et là, la moitié est déjà faite et c'était à 74 centimes, il me semble. Il y avait 34% directement. Donc j'avais pris 3, j'aurais peut-être dû en prendre plus parce que le rayon était archi plein. Ensuite j'ai pris du pain que je vais mettre au congélateur, 3 plus ou moins gratuit. J'ai pris des pavés de saumon qui étaient en promo à 19,90 le kilo, j'en ai pris 4. J'ai pris de la truite fumée, ça vous savez que moi j'aime bien les mettre dans les rois. Là j'ai acheté des concombres, ouais. Les concombres ça allait, c'était 1€ les deux, il me semble. 1€ les deux, ou 2€ les deux, je sais plus. Donc ça j'ai pris. De toute façon, je vais bientôt en avoir, j'espère. Donc, bon, bientôt, j'achèterai plus. J'ai pris également des bananes. Les seules choses que j'ai pris à le faire en fruits et légumes. Ensuite, j'ai pris du bouillon gourmand. Voilà, ça, j'en avais plus. Ça faisait un petit moment, j'étais avec mes cubes que je coupais en deux, mais j'en ai plus. Ensuite, j'ai pris du pâté de canard pour mon mari. Ah, j'ai oublié mes rillettes de thon, je suis deg. Et ouais, parce que vous voyez, moi, ça, je me remplace par des rillettes de thon, rillettes de saumon. Pas grave. Pour faire mes salades, j'ai pris du maïs. J'adore rajouter du maïs à mes salades. Ensuite, il y avait ça. Ça avait l'air hyper bon. Alors, riz basmati, citron et herbe. Pareil, un acheté, le deuxième à 68% ou 60%. Donc, ça valait plus, j'en ai pris deux. Ça, c'est bien quand on n'a pas le temps. Ou alors, pour faire justement mes saumons. Ah ouais, je vais faire ça avec mon pavé de saumon et des légumes à côté. J'ai pris du coulis de tomate Heinz parce que finalement, le Heinz est devenu moins cher que la sous-marque de Leclerc. Quand je vous dis que Leclerc, je ne sais pas ce qu'ils foutent. C'est moins cher de Heinz. Allez comprendre. Donc ça, c'est pour faire mes lasagnes. J'ai pris des bananes, 1,49€ le kilo. Le sultan m'a fait 1,97€. J'ai pris une... ah oui, si, j'ai pris ça aussi. J'ai pris une salade iceberg. Voilà, parce que je ne savais pas si j'allais aller à grand frais ou pas. Et quand j'ai vu franchement le prix des tomates, le prix des nectarines et machin, je me dis c'est bon, tu vas aller à grand frais. À grand frais, il y avait des nectarines et des pêches, mais il y avait du monde devant. J'avais la flemme d'attendre, j'avais dû congeler dans la malle, donc du coup j'ai dit bon, tant pis la prochaine fois. Alors, mix graines saveur bowl. Alors ça, c'est pour mettre dans les salades et dans les poêlés, c'est un mélange tout prêt. Avec, alors j'ai regardé derrière, c'est pour ça que j'ai pris graines de tournesol, graines de lin, sésame blanc, romarin, basilic, thym, marjolaine, sarriette, origan, trace de moutarde, céleri, gluten. Ouais, bon, moi je m'en fous. Mais voilà, ça a l'air sympa, ça pour mettre pareil dans les salades, dans les légumes. Vous voyez, vous mettez dans les légumes cuisinés. Je fais également moi-même mes pizzas. Donc j'ai pris du chorizo pour faire des pizzas. D'ailleurs, j'ai oublié le cheddar. Je vais m'apercevoir, mais c'est pas grave, j'ai du fromage râpé, comme tout pour le cheddar. Alors cette marque, je ne la connaissais pas. J'ai pris des maquereaux à l'escabèche, l'eau de Troyes. Mon mari et moi, on adore ça. Les petits préfèrent ceux à la moutarde, mais il y en a encore. Il me semble qu'il en reste un paquet. J'ai pris des œufs. Voilà, ce qui était en promo. Du chèvre pour mettre dans la pizza. Ça,
C'est en train de ça va se casser la gueule. Hein. Ça va se casser la gueule. De la crème pour la pizza. Je déteste les vases tomates. Même si des fois j'en fais, mais j'aime pas trop. Ça, c'est pour ma fille quand elle va partir à la sortie. Donc, jambon cru, chèvre affinée. Elle, elle adore ça. Elle adore le chèvre affiné. C'est une gourmande. Donc, j'ai pris ça. Moi, je me suis pris ça au niveau des yaourts liégeois, yaourts coulis de fraises. J'adore. En plus, ils étaient. Il y en avait deux offerts là. Voilà, j'aime bien ça. Il y avait tous les goûts. Hein. Croque baby au fromage, ça on aime bien. Voilà, les enfants aussi, ça change un peu. Ouais. De la crème liquide. Je vais tenir à la main, je ne vais pas y arriver. J'ai pris du Saint-Persil. Alors, c'est pour manger comme ça et pour mettre dans la pizza. J'en ai pris deux. Parce qu'il y en a certaines mamans qui vont partir dans la pizza. Des mozza. J'en ai pris trois. Pour faire mes salades. Voilà, là, c'est tout. C'était fromage. Je remange tout ça. Ben, écoutez, il n'y a plus de sac. Ah, ben oui, il n'y a plus de sac. Ben, écoutez, on a fini. J'espère que ce retour de course vous aura plu. Vous voyez, c'est un peu plus sain que d'habitude. Il manque encore, bon, alors niveau légumes à cuisiner, je vous dis, j'en ai au congèle, j'ai moi mon jardin, enfin j'ai le jardin de mes parents, ils vont me filer des trucs, j'ai des choses, comme je vous dis, des choses au congèle, moi je vais généralement chez le primeur, voilà, pour tout ce qui est courgettes, je pense que c'est ma mère qui va me filer, et puis voilà, ben écoutez, j'espère que ce retour de course vous aura plu, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, bye bye.